Si, tire-toi. Vite, justement, c'est bien. Allez. Allez, on avance. Allez. Reste là, reste là. On lui va derrière. Va chercher, va les arrêter là-bas. Va les arrêter. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Va chercher. Doucement. Doucement, Amanda. Putain, il faut tout le temps qu'elle aille n'importe où, cette chèvre. Ça fait des mois qu'on essaye de l'éduquer. Des mois qu'elle ne comprend pas qu'il faut rester dans le troupeau, qu'elle n'a pas le droit de partir au plein galop sur la route ou dans n'importe quelle parcelle. Va la chercher, va chercher. Voilà. Voilà. Allez. C'est bien, viens ici, c'est bien. Allez les filles. Non. Non. Chut, chut. Tu te réattaches, hein? Prrr. Viens ici. Va chercher. Voilà, c'est bien. On recommencera autant qu'il faudra, cocotte. Viens ici. Viens ici, va l'arrêter. C'est bien. Arrête-les. Arrête-la. C'est bien. Elle continue. Arrêtez-les. Doucement, doucement. C'est bien. Viens ici, Malala. C'est bien. Allez, viens. Viens ici. Et on recommence. Va l'arrêter. C'est bien, Olmeda. Allez, viens. Et on va recommencer jusqu'au bout. Tous les jours, tout le temps. Voilà, arrêtez. C'est bien. C'est moi qui n'ai pas pris de bâton juste aujourd'hui. Pour au moins les faire peur. Arrête-les. Arrête-la. Allez. Arrête-la. Et elle tire toujours dans son lot. Va chercher. Ça suffit, c'est bien, ça suffit, ça suffit. Ça suffit, Leda. Dis donc. Les chiens qui ont chaud. Arrête-la. Bon ben, j'ai quasiment plus de place dans mon appareil photo bas de gamme. Les chiens ont rabattu la chèvre au fond, qui a essayé de s'échapper par-dessus. C'est compliqué avec elle, c'est très compliqué. Là, elle est à côté de derrière la beige et grise. Elle va passer au niveau du poteau. Et c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours comme ça depuis 2 mois. Allez, on arrive. C'est bien mon Olmeda, tu pourras aller boire à la rivière. Allez, on va. Allez, va boire, va boire. Hein? Oh, les chèvres, les chiens. Le soleil, c'est pas le moment de... Tu vas le boire à la rivière, oh là là. Allez, va boire, va boire. Allez, gli gli. Va boire, tu vas aller boire. Va boire, va boire. Va boire. accompagner le troupeau Eric. Je suis en train de rabattre quelques chevreaux qui n'ont pas la patience de m'attendre parce que je fais quelques branchages. Je ne sais pas si vous voyez bien, pour des chevreaux, des jeunes chevreaux qui ont peur encore de sortir, de s'éloigner du bâtiment pour venir avec moi et manger les branchages. Voilà les récalcitrants, ceux qui rôdent un peu trop, que je suis en train de rabattre. Et après je vais aller du coup faire les branchages à la main, soit avec un peu l'aide de mon Manitou Bobcat pour les mettre dedans et les ramener à la ferme si c'est trop loin, ou s'il y a aussi des ronces, parce que alors là c'est un peu, voilà, je ne les prends pas dans les bras. Sinon, si c'est pas loin, ce que je pense faire aujourd'hui, c'est juste, voilà, faire venir les boucs avec moi et les chevreaux, et ils mangeront directement. Quand je tomberai, je scierai les arbustes ou les branches, ils mangeront directement sur place avec moi. Allez, je vous... semaines qu'on attend la livraison d'un filet parce que celui-là est plus électrifiable. 3 semaines qu'on attend du coup un filet j'ai pris de mailles plus petites pour pas que les gros chevreaux puissent passer la tête, qu'on puisse le réélectrifier, que j'ai acheté sur Clôture Expert. 3 semaines que je ne suis pas livrée. Heureusement que les chèvres crient quand il y a un problème. Mes parents avaient des brebis, les brebis ça crie pas, on les entendrait pas. Avec elles, heureusement qu'on les entend. Bon ben, je vais m'occuper des boucs. Derrière Hippolyte, son papa, Wapiti, devant le petit Persian, Smile, notre papy Loustique, derrière Meiko, derrière Pégase, oui Lingo, Pipelette ce Lingo. À mon travail quotidien pour nourrir les 25 boucs reproducteurs, les chevreaux qui restent sur la ferme, trop petits pour partir. Il y en a d'autres qui sont un peu plus loin là-bas, d'autres qui sont ouais, qui naviguent. Ça permet de les nourrir au vert et puis de tout débroussailler. Toute cette zone était complètement recouverte de ronces de 3 mètres de haut. Il en reste encore, mais là j'ai quasiment terminé. Ça a fait les muscles. Et tout ça, je m'aide avec le le Manitou pour retirer les ronces, pour les faire descendre, quoi, qu'elles soient à la hauteur du bouc. Et puis le reste, ben, c'est à la scie comme ça, pour pouvoir faire des trognes. C'est-à-dire les frênes qu'on coupe et qui vont repousser l'année prochaine, qu'on ne touchera pas et que je récupérerai éventuellement. Il m'en reste encore à faire, mais c'est dur. J'espère avoir terminé là aujourd'hui, du coup, ceux-là. Voilà. Et puis les grands, là, j'y touche pas. Ça servira à faire de l'ombre. Il n'y a que ceux-là qui feront de la nourriture pour animaux. Il me manque un peu après à ouvrir, mais j'aurai terminé. Et là, je fais aussi tomber un peu de lierre, mais il est haut. J'ai du mal à y accéder. Délaguer pour eux à la main, sortir les ronces, mais ils ont peur de rien. Ils savent que je leur mène à manger. Le bobcat est très positif à leurs yeux et ça me fait très peur. Salut Béa. Salut ma petite Béa. Salut, doucement, pas tout le monde à la fois. Oui, oui, oui. Pas tout le monde. Oui. Salut tout le monde. Salut Elia. Moi ça c'est toujours carré. Ben serré là. Justement. On ne pousse pas comme une malade pour avoir les canines. On fait un peu preuve de douceur. Mais oui. Et oui. C'est toi ma petite. Oh là 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 ma fille. Ma fille, ma fille. Là j'ai une partie des boucs, la majorité qui sont avec moi, qui me suivent en bordure de parcelles où il y a du boulot pour débroussailler un peu. Je sais pas si on les entend, je pense pas. Il y a les chiots qui appellent. Je vais les enfermer à la maison pour pas qu'ils jouent entre guillemets avec les chevrons miniatures, parce que ça les amuse de jouer, sauf qu'ils en ont blessé un et je ne peux pas être partout à la fois, alors ils sont pas contents. Dans une heure ou deux je vais rouvrir la porte. Les garçons toujours ils finissent pas leurs assiettes, hein. Eh ben, il y a la branche, un peu plus loin il y en a une autre, mais ils attendent que je leur tombe toujours des nouvelles branches. Allez, on continue. rentrer, c'est l'heure de rentrer. Oh ouais. Les petits bouts. Eh oui. Allez, rentre. C'est bien les garçons. Allez. Et voilà. C'est bien les garçons. Oui. J'arrive. Hop. Allez aux autres garçons, les moins disciplinés. Allez, Wapiti. Allez, toi aussi. Allez, père et fils, c'est bien Pikachu. Toi tu restes dehors. Allez, allez les garçons, on rentre. C'est bien Playboy, c'est bien Pikachu, c'est bien Wapiti, tu restes là. Regardez-moi des garçons aussi sages. Tu es ma rêveuse? Oui, Maricota. Viens, tu es ma rêveuse. Allez, viens, rêveuse. Allez, les filles. Tu es ma rêveuse? Oui, Maricota. Rêveuse. Rêveuse. Tu viens? Allez, viens. Oui, tu es Maricota. Maricota. Allez, viens. Allez, viens. mon petit amour. Mon petit amour. Ah, mon petit amour. La partie à faire à la main, nous rappeler.